Et salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien, c'est WildDT11 et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'Apex Legends. Aujourd'hui on va se faire un tuto guide autour de Lifeline, une des légendes très appréciées par les nouveaux joueurs et aussi par toute la communauté d'Apex Legends. J'adore Lifeline, c'est vraiment une légende que j'aime beaucoup jouer. C'est une des premières légendes que vous débloquez lorsque commencez le jeu, elle est donc gratuite. C'est une légende qui revient beaucoup dans la méta de la saison 14. Je trouve vraiment qu'elle apporte un plus à votre équipe. On va essayer de dérouler son passif, son actif et son ultime en revue avec à chaque fois des petites astuces pour bien la jouer. Si t'aimes bien ce genre de vidéo, n'hésite pas à aller voir le reste des vidéos qu'il y a sur ma chaîne. On fait pas mal de tutos, de vidéos autour d'Apex Legends. N'hésite pas également à liker la vidéo si elle te plaît et à t'abonner bien entendu, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux. Allez, sans plus tarder, on commence par sa capacité passive, qui n'est autre que secouriste de combat, qui va vous permettre en fait de déployer un drone médecin pour animer vos équipiers. Ça vous permettra ainsi de vous déplacer librement pour défendre votre escouade pendant que votre allié est en train de se faire réanimer. C'est hyper pratique. Alors Lifeline, au tout début, quand elle était sortie, elle avait à la place de cette capacité passive la possibilité en fait de déployer un bouclier autour de l'allié et d'elle pour pouvoir réanimer tranquillement votre allié. Maintenant c'est un petit peu changé, c'est différent, c'est une autre façon de voir les choses. C'est vous allez pouvoir réanimer votre allié sans pour autant être sur lui en train de faire l'action de le réanimer. Donc vous allez pouvoir le protéger et vous déplacer pendant que vous le réanimez. Ça va vous permettre en fait d'appréhender vos fights en 3 contre 3 au corps à corps avec beaucoup de sérénité, puisque si un de vos alliés tombe, vous savez que vous avez Lifeline qui va être derrière pour pouvoir vous réanimer l'allié, tout en essayant de contrôler les adversaires en face afin que vous puissiez vous relever et vous heal. Cette capacité passive est vraiment monstrueuse sur Lifeline. C'est ce qui fait, je pense, de ce personnage un personnage si unique. Et donc, comme vous l'avez compris, Lifeline est plutôt une infirmière qui va essayer de passer son temps à être derrière ses alliés pour pouvoir réanimer ses alliés. En sachant que Lifeline a une hitbox très petite, donc du coup ça vous permet quand même d'avoir une situation davantage au corps à corps, ou même à distance, mais c'est vrai qu'au corps à corps c'est très fort pour pouvoir vous faufiler, essayer d'éviter les balles, réanimer vos alliés et en même temps vous fight. Donc vraiment Lifeline est très forte pour ça. Avec votre passif, vous pouvez bien entendu réanimer deux joueurs en même temps, vraiment hyper fort, hein. Par contre il faut aller à chaque fois devant l'allié, appuyer sur la touche de réanimation et vous allez pouvoir les réanimer. Si vous avez un shield de KO en or, vous allez pouvoir les réanimer avec de la vie et du shield, c'est vraiment hyper fort. La personne qui se fait revive donc res par Lifeline peut annuler la res s'il voit que c'est trop compliqué parce qu'il est en train de se faire finir au sol par un ennemi. On va passer à sa capacité tactique, son actif, qui est son drone d'ostéocompassion. Donc ça va vous permettre d'appeler votre petit drone que vous allez mettre à côté de vous. Il n'y a pas une grande portée, hein, elle le pose comme ça avec sa main. Il va vous permettre, ce drone, de soigner automatiquement et progressivement tous les équipiers autour. Attention, ce drone peut soigner également les ennemis, c'est à prendre en considération. Donc les ennemis, des fois, ils peuvent se caler à côté de votre drone et récupérer du heal. Par contre, ce drone va être très pratique en fait quand vous êtes en fight. Par exemple, vous allez poser votre drone et en même temps attaquer votre fight. Au moins, vous êtes sûr que si le gars casse votre shield, vous aurez du soin en continu. Ou si vous êtes dans une situation délicate, vous voyez que vous commencez à perdre votre 1 contre 1, que vous ne pouvez pas vous cacher, vous balancez votre drone à côté et il va faire le taf pour pouvoir avoir une chance supplémentaire d'essayer de faire tomber votre adversaire en face. N'oubliez pas également, petit tips, quand vous réanimez un de vos alliés, de poser le drone tactique juste à côté de lui avant même qu'il soit réanimé, afin qu'il puisse reprendre sa vie directement, se re-shielder en fait, et le drone va faire le taf pour redonner la vie, parce que vraiment la vie c'est ce qu'il y a de plus difficile à recharger. Se mettre des seringues c'est beaucoup plus long que de se mettre des cellules de shield, donc ce drone va vous faire gagner un temps maximum pour vous et toute votre équipe. Autre point aussi avec le drone, il va pouvoir vous servir par exemple quand vous êtes dans la zone à mettre un hit shield et derrière vous allez pouvoir mettre votre drone pour animer toute l'équipe avant de rattaquer la zone et l'anneau qui vous mettra des dégâts. Attention cependant, ces derniers temps on a vu quelques bugs là-dessus. Quand vous mettez le hit shield et le drone derrière, le drone disparaissait comme s'il était dans la zone. Donc faites très attention, il faut pas forcément se reposer entièrement sur cette mécanique de jeu qui parfois a des défauts. J'espère que Respawn va très vite
puisse patcher cela. Donc voilà vos deux capacités principales pour être l'infirmier de combat. Donc c'est vraiment ultra fort. N'oubliez vraiment pas de réanimer vos collègues, de leur poser un drone quand ils ont plus de vie. Quand vous voyez qu'il leur reste un tout petit peu de vie, au lieu de se mettre une seringue, des fois déployez votre drone. À noter que le cooldown de cet actif est de 45 secondes. Ce drone va pouvoir heal les alliés qui sont aux alentours des 6 mètres. Donc vous pouvez vraiment avoir 6 mètres entre vous et le drone. Et il va heal 8 points de vie par seconde à l'infini. Hein. Et ça pendant 20 secondes. Le drone, bien entendu, ne peut pas bouger de place. Hein. C'est quelque chose que vous allez poser en fixe. Donc du coup, vous le posez, vous le pingez à la limite à vos alliés s'ils ne l'ont pas vu, pour qu'ils puissent reprendre leur vie. Allez, maintenant, les amis, on va passer à la capacité ultime de Lifeline, qui n'est autre que son Care Package, son pack de soutien, qui est donc un pack de soutien comme on en voit tomber tout au long de la game. Sauf qu'il est un peu particulier, ce pack. Vous allez pouvoir avoir 3 slots d'items qui garantissent à chaque fois un upgrade à un joueur de l'escouade ou plusieurs joueurs de l'escouade. Alors le premier slot contient soit un bouclier de shield, soit un casque, soit un bouclier de chaos. Si par exemple toute votre équipe a un bouclier blanc, vous allez forcément avoir un bouclier bleu. Si toute votre équipe a un bouclier bleu, vous allez forcément avoir un bouclier violet. Et si toute votre équipe a un bouclier violet, vous aurez forcément un bouclier en or. Par contre, vous ne pouvez pas avoir de bouclier rouge. Attention cependant, c'est pas tout le temps un bouclier qu'il peut y avoir. Il peut y avoir bien entendu un casque et un bouclier de chaos. Et là, c'est un moins bon care package. Mais généralement, vous avez tout de suite le bouclier qui est donné dans les premiers care package. Le slot numéro 2 va contenir généralement plusieurs items. Donc c'est variable. Il peut y avoir des petites selles, des grosses batteries, des seringues, des medkits, des valises de réapparition, des hit shields ou des phoenix. Et le slot numéro 3 contient généralement des accessoires pour les armes. Donc généralement, vous avez des accessoires pareils qui upgrade vos armes, et c'est toujours des accessoires qui vont aller à un de vos équipiers ou à vous-même. Donc regardez bien votre care package s'il y a des choses pour vous, et ensuite pinguez à vos alliés les choses qui pourraient les intéresser. Bien entendu, le care package de Lifeline ne contient pas d'armes qui drop au milieu de la carte, hein, pas d'armes rouges comme la Rampage actuellement, le Mastiff ou le Crabber. Ce care package va mettre 15 secondes une fois que vous avez appelé le care package, hein. Pour l'appeler c'est tout simple, vous appuyez sur la touche d'ultime, vous allez avoir la prévisualisation de là où votre care package va tomber. Vous appuyez sur la touche de tir pour que celui-ci soit appelé. Donc là, à ce moment-là, il va mettre 15 secondes pour atterrir. Attention, tout le monde va pouvoir voir parce que ça fait une lumière bleue et cette lumière bleue, elle est visible, elle est différente du care package que vous allez aller voir sur la carte qui est généralement rouge. Donc vous pouvez faire la différence entre un care package d'une lifeline ou un care package qui tombe sur la map. Ça peut être une indication intéressante quand vous êtes face à une lifeline pour savoir s'il y a une équipe aux alentours. D'ailleurs, vous entendez toujours un petit clic quand les care packages vont tomber. Donc faites bien attention. Le chargement de ce care package est de 3 minutes et demie, donc c'est vraiment très très important. Il faut vraiment utiliser un maximum d'accélérants d'ultime pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir son care package rapidement. C'est hyper fort vraiment cet ultime parce que ça va vous permettre finalement d'avoir un maximum de loot, un peu à l'image de l'Oba, mais être sûr d'avoir toujours du loot supérieur au loot que vous avez actuellement. Moi je trouve que ce care package est juste fort pour le shield de base. N'oubliez pas, petit tips, quand vous êtes avec une lifeline que vous voyez que vous avez par exemple deux boucliers bleus et un bouclier blanc, et ben essayez d'aller dans un réplicateur pour pouvoir up votre bouclier blanc et le passer en bouclier bleu afin que la lifeline ensuite balance son care package et assure un bouclier violet pour l'équipe. Ou quand vous voyez par exemple que vous pouvez tous avoir un bouclier violet, essayez d'avoir tous un bouclier violet, allez les farmer sur les réplicateurs par exemple pour pouvoir avoir un bouclier en or. Le bouclier en or, il faut vraiment pas le refuser en début de game. Je vois beaucoup de joueurs qui refusent le bouclier en or en se disant c'est pas grave, j'ai envie de monter en rouge. Mais vraiment, à part en fin de game, vous allez avoir beaucoup plus d'utilité à avoir un bouclier en or qui va vous réparer facilement votre vie, facilement votre shield, plutôt que d'avoir un bouclier violet. En conclusion, quels sont les avantages de Lifeline et pourquoi il faut prendre Lifeline? Elle va vous assurer un maximum de heal, un maximum de loot. Vous allez être beaucoup plus confortable à aller affronter des équipes au corps à corps avec une lifeline. Si les équipes vous down de loin et vous mettent KO de loin, vous savez que votre lifeline va pouvoir rapidement vous raise et vous allez avoir tout de suite votre vie avant même que l'équipe adverse vous rush. Donc ça, c'est vraiment super fort avec la combinaison, bien entendu, du passif et de poser tout de suite l'actif pour celui qui est en train de se faire réanimer. Elle a une hitbox qui est très petite, donc quand vous la jouez, vous avez un avantage pour vous 1 contre 1. Et tout simplement, le personnage est fun à jouer puisque sa personnalité, je la trouve super cool. Elle vous apporte énormément pour l'équipe. Point à noter quand même, Lifeline, c'est la 8e légende la plus pique
sur cette saison 14. Elle est à 4,3% de pick rate, donc elle est choisie à 4,3%. C'est vraiment assez fort. Vous voyez qu'elle est par exemple devant Vantage, enfin juste devant Vantage ou Loba ou Sir. Donc je trouve ça quand même hyper intéressant. Après, si on regarde sur les lobbies plutôt Predator, on va voir que Sir reprend la place, puisque Sir il a 9,4%. Hein, je vous avais mis dans la tier list, Sir est quand même bien meilleur. Il est tier S. Par contre, Lifeline là elle descend à 1,6%. Les Predator et les Masters lui préfèrent par exemple Loba. Mais elle reste devant un Gibraltar, elle reste devant une Vantage, elle reste devant un Newcastle. Je pense que, pareil, Lifeline est plus forte que Newcastle. Et je vous invite à aller voir ma tier list justement des légendes, je mets Lifeline devant. Je trouve qu'elle est encore au-dessus, vraiment. Ces mécaniques font que la combinaison de tous ces skills est hyper importante pour l'équipe. Et quoi qu'il arrive, quand vous avez une Lifeline dans votre équipe, vous savez que c'est pas un poids pour votre équipe, mais c'est un gros avantage. C'est pas le cas, par exemple, d'avoir un Octane dans son équipe, où là, il va falloir prier que le mec soit bon et qu'il ait un bon shoot pour pouvoir porter l'équipe. Là, vraiment, quoi qu'il arrive, c'est un personnage qui a un impact pour votre équipe. Et pour ça, vous devez le jouer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite grandement à lâcher un like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me remercierait pour le travail que j'essaie de vous fournir toutes les semaines. N'hésitez pas à venir me voir également sur le Twitch WildDT11 du lundi au vendredi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Salut, salut la FOMO Team!